Rien n'arrête l'autoproclamé président du Venezuela, ni pour partir, ni pour revenir, et pas même les menaces du président Nicolas Maduro. Juan Guaido compte revenir au Venezuela lundi après l'avoir quitté clandestinement il y a une semaine. Comme vous le savez, moi et ma famille avons reçu de nombreuses menaces, mais je suis aussi sous la menace d'être emprisonné par le régime de Maduro. Mais cela ne nous empêchera pas de revenir au Venezuela ce week-end, au plus tard lundi. Juan Guaido a enchaîné les rencontres de diplomates sud-américains, mais aussi de l'Union européenne. Il s'est rendu en Colombie pour aider à l'acheminement d'aide humanitaire bloquée à la frontière du Venezuela. Le pays reste en proie à de dramatiques pénuries alimentaires et de médicaments. Avant le Paraguay ce vendredi, c'est au Brésil qu'il a fait une halte pour rencontrer le président Jair Bolsonaro. En tout, plus d'une cinquantaine de pays soutiennent le président autoproclamé. Ce n'est pas le cas de la Russie et de la Chine qui ont opposé leur veto à une proposition américaine de résolution à l'ONU. Juan Guaido se tourne donc vers ses voisins au plus vite, la voie diplomatique ayant elle aussi ses limites.